Bonjour, avec le soutien du projet européen FOSTER, la Commission Information Scientifique et Technique d'Agropolis International a réalisé une série de supports de formation afin d'encourager les chercheurs à diffuser en libre accès les résultats de leurs recherches. Cette courte vidéo a pour objectif de vous présenter le DOAJ, Directory of Open Access Journals. C'est un outil très utile pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels de l'information scientifique et technique pour trouver des revues en libre accès, tout en étant assuré qu'elles répondent à des critères de qualité. Sa couverture géographique, thématique et linguistique est très large, il constitue vraiment une référence dans le domaine. Il recense plus de 10 000 revues de tous les domaines de la science, y compris les sciences humaines et sociales, et plus de 2 millions d'articles, mais toutes les revues ne sont pas interrogeables au niveau article. Dès la page d'accueil, on peut faire une recherche simple dans l'encadré, soit au niveau des journaux, soit au niveau des articles, soit des deux. Si par exemple, je cherche la revue Annals of Forest Research, je vais trouver 291 résultats, 290 au niveau des articles, un résultat au niveau des revues, donc j'ai les informations concernant la revue. On se retrouve alors dans l'onglet Search qui permet de faire une recherche avancée dans les différents champs proposés dans le menu déroulant. On peut aussi faire une recherche par sujet dans l'onglet Browse Subjects dans les différents thèmes proposés selon la classification de la Library of Congress ou faire une recherche libre, par exemple Ecology. Il va proposer les différents endroits de la classification où il a recensé de l'écologie, et notamment l'écologie végétale, où on trouve 103 résultats, dont 102 au niveau des articles et 1 au niveau des revues. Le Journal of Plant Studies serait donc la seule revue en open access en écologie végétale recensée par le DOAJ. Si on clique dessus, on a les informations concernant la revue. Si vous voulez en savoir plus sur le libre accès, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos proposées par la commission IST d'Agropolis International. Vous pouvez également suivre le hashtag Foster Open Science ou nous contacter par mail à l'adresse sist@agropolis.fr.